Bon, coucou les filles, comme je vous ai parlé, on avait parlé l'achat pour le parc de bébés. Du coup, j'ai trouvé celui-là à Uber. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Il y en avait en blanc et en marron. Moi, je l'ai pris en marron parce que le blanc s'attache trop vite. Voilà, les dimensions, elles sont là. Enfin, non, là, pardon. J'ai pris la Formula Baby. Voilà, le carton, il est grand, hein, mais ça va. Voilà, j'en ai pour 120 euros quand même. Voilà, c'est le moins cher chez eux. Voilà, je vous montrerai demain comment il est monté. Bon, comme on a vu hier, j'ai acheté l'achat pour le bébé pour le parc. Du coup, on est en plein montage. On dirait que c'est une mission impossible. Il y a trop de trucs, vraiment trop de trucs. Vraiment, on n'en parle pas de toutes les pièces en ex du chinois. Ça, c'est du chinois pour moi. C'est du chinois. À chaque fois qu'on achète un meuble, j'ai du mal à monter les trucs. Surtout, je suis toute seule. Mais on va essayer, hein. Je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, allez, bisous les filles. Bon, les filles, au bout de 1 heure, 1 heure et demie, on a enfin réussi à monter ce meuble, enfin le meuble, ce parc de bébés, parce que c'est pire que Ikea, alors que je l'ai acheté chez Uber. Franchement, mais bon, franchement, j'aime bien, vous voyez, il est grand. Par contre, moi, j'ai pris sans roulette. Franchement, je pense que j'aurais dû le prendre avec des roulettes, parce que bah, comme ça, je pouvais le décaler. Je suis un peu dégoûtée, je viens juste m'en rendre compte, mais bon, c'est pas grave. Sinon, vous voyez, voilà, il est franchement, c'est vraiment du vrai bois, c'est lisse, il n'y a pas de faille quoi. Après, on a trois niveaux, le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça, niveau 3, c'est plus quand il se mettra déjà debout pour pas qu'il essaye de sauter par-dessus. Ça, le niveau 2, ça dépend, c'est comme vous voulez. Après,